Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo parlée. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, mon lookbook. Je n'en attendais pas autant, vraiment, merci. C'est vrai que je me suis particulièrement investie sur cette vidéo, mais de là à avoir que des choses positives... Gros love, vraiment. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori. Donc ce serait un mélange de favori et de haul, parce que presque tout ce que j'ai dans cette vidéo est nouveau. Il y aura des vêtements, de la beauté, des soins, de la déco, des livres, enfin des livres, un livre, et puis c'est pas vraiment un livre, et de la musique. Donc, et des vidéos YouTube. Il y aura plein de choses, mais ça va aller vite, promis. Ou ça peut aller lentement. En fait, faut que vous me disiez dans les commentaires si vous préférez des vidéos longues ou courtes. Là, je vais pas aller vite, mais je vais pas aller trop lentement parce que j'ai pas beaucoup de gigas sur ma carte SD. On y va. On va commencer par... par quoi? Par les soins. Alors, dans les soins, vous savez que... Vous avez peut-être remarqué que je ne me lisse plus les cheveux. En tout cas, j'essaye. Il faut quand même que j'en prenne soin. Quand je lisse les cheveux, je pense qu'il y en a certaines qui vont me comprendre. C'est un cercle vicieux. Tu n'aimes pas tes cheveux donc tu les lisses, sauf que comme tu les lisses, elle ira encore plus moche, donc tu les lisses, tu t'arrêtes jamais. Je me suis dit, Eva, bon, déjà l'été c'est pas hyper utile, de toute façon tu vas dans l'eau et tout, flemme. Faudra quand même que tu arrêtes à la rentrée, c'est plus possible. Donc j'ai décidé d'en prendre soin. Mes boucles ne sont pas définies, donc il me fallait quelque chose qui définisse bien mes boucles. Après les avoir lavées, brossées, pendant qu'ils sont mouillées, je mets ces deux choses, donc que je mets sur mes longueurs et pas mes racines, parce que les racines ça peut faire vite gras, donc mince, craché, ça peut faire vite gras. Donc j'utilise le petit marseillais, le petit soin à l'amande douce, qui est très bien, c'est une crème, j'en ai presque plus d'ailleurs. Et l'huile sublime de Roger Gallet, qui est à la base pour les cheveux, le corps et le visage. Donc moi du coup je l'utilise que pour les cheveux, que j'en ai plus beaucoup non plus, donc je mets 4 pieds dans mes mains et je mets sur les longueurs. Éparpillez bien, ne mettez pas toute votre main sur un cheveu, parce que à coup sûr quand ils vont sécher, bah il y aura l'effet huile. Et ces deux produits, vraiment je les adore. Ensuite, vous savez que l'été avec le soleil, le sel, la mer, le sable et tout, la peau elle morphe. Et rien que pour continuer à avoir son bronzage, il faut se crémer la peau. J'ai utilisé le Trixera Plus Selectieuse de Avène. Donc c'est une crème émolliante pour visage et corps. Mais moi j'ai utilisé que pour le corps. Donc c'est pour peau sèche à très sèche, peau sensible. Moi elle n'est pas très sèche, mais elle est quand même sèche. Et elle est super cette crème, elle est très riche. Elle est... Voilà, donc ça va pas pénétrer en 2 secondes. L'effet collant sur votre peau, si vous en mettez beaucoup, vous l'aurez pendant une bonne heure. Sauf si vous aidez le truc à rentrer en massant et tout. Mais en tout cas, c'est une super crème. Pour finir, le dernier produit soin, c'est ce sérum. Donc j'avais fait un article sur les sérums codage qui sont extraordinaires. Si vous voulez lire l'article, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais je l'ai fini, le sérum codage, et avant de le recevoir, j'avais acheté ce sérum Kiehl's, donc le Daily Reviving Concentrate, et je me suis dit je vais pas le gâcher, donc je l'ai mis tout l'été, et il est super, il repulpe la peau, il l'hydrate bien, il est hyper agréable à mettre, il sent bon, enfin il sent pas trop, mais bon quand même. Voilà, il est super bien. On va faire beauté. Beauté, j'ai pas grand chose, j'ai 2 trucs. J'ai acheté cette palette BK, donc c'est la palette avec... Je crois que je vais être la seule à pas connaître, mais Chrissy. Je sais pas ce que c'est. Et Chrissy Teigen. Ça se trouve, c'est même pas une femme. Si, c'est une femme. Je pense que ça doit être une maquilleuse professionnelle. Je n'en sais rien, ça se trouve c'est une youtubeuse. Je ne suis pas trop les youtubeuses américaines. Et de toute façon, elle n'est même pas américaine. Bref, la palette est très bien. Les fards sont très bien pigmentés. Les couleurs, c'est exactement ce que je recherchais.
Et voilà, elle est très bien si vous cherchez une palette pour cette année. Je ne vous en ai pas assez parlé à mon goût. C'est un Make Up For Ever que j'avais acheté à Naples il y a un an maintenant. J'en ai toujours. C'est le full cover, crème de camouflage extrême, waterproof. Donc après, je sais pas si moi j'avais besoin d'un extrême, mais il est extrêmement bien quand même. Il est, si vous cherchez un bon anti-cerne pour la rentrée, parce que ça y est, la fatigue, on va perdre notre bronzage, on va être archi chum et tout. Si vous cherchez un bon anti-cerne, je vous conseille vraiment celui-ci. Ensuite, on va passer aux fringues. Alors, en début de vacances, j'ai fait un partenariat avec Zafool. Donc Zafool, c'est... Vous devez certainement voir sur Facebook des petites annonces de maillots de bain à 12€, etc. Donc, il m'avait proposé 50€ d'achat que je pourrais vous montrer. Mais je vais vous montrer celui que j'ai préféré. Donc, en tout, j'avais pu m'acheter deux maillots de bain entiers, hein, haut et bas. Et un ensemble de sous-vêtements. Maillot de bain que j'ai adoré, c'est sans aucun doute celui-ci. Donc, cette couleur baby blue comme ça, ça fait énormément ressortir le bronzage. La coupe est... J'adore la coupe du haut comme ça, arrondie. Je vous conseille d'enlever les coques. Moi, je les ai enlevées. Vous pouvez de toute façon les enlever et les remettre. Il y a un trou. Enfin, en tout cas, moi, dans celui-ci, il y avait un trou. Mais comme c'est pas de la hyper bonne qualité, on voyait la coque à travers et c'était pas beau. Donc, je les ai enlevées. En fait, c'est beaucoup mieux. En tout cas, vraiment, pour le prix, je crois que c'est 12€ l'ensemble. Il est hyper beau. Vraiment, il vaut un maillot de bain à 50€. Hein. Celui-ci, c'est une culotte, vous savez, qui remonte un peu sur les hanches. Enfin, vraiment, j'ai gros coup de cœur pour ce maillot que j'ai mis très souvent. L'autre un peu moins, je vous mettrai une photo de l'autre que j'ai reçu. L'autre un peu moins, parce que je le trouvais moins bien coupé, qualité moins bonne. Mais vous avez tout dessus, vous avez bikini, trikini, une pièce... Donc si vous cherchez des maillots de bain pas chers et plein de modèles, allez vraiment sur Zafool. Ma passion pour les chemises est revenue. Donc ça, c'est ma chemise sœur. J'adore cette chemise, vraiment j'ai envie de la mettre tous les jours. Elle va avec tout, avec une jupe, un short, un jean. Je l'adore. Vous connaissez certainement la galère de la climatisation, pas juste dans l'avion, dans le train. Et je suis allée en début... Je comprends pas pourquoi ils sont aussi bons. Ma lessive elle s'en passe normalement. Je suis allée en début de vacances chez Uniqlo, magasin dans lequel je vais pas souvent parce que je sais pas, mais c'est une erreur. Alors Uniqlo, c'est les basiques, mais basiques, hyper bien coupés. Donc là, c'est un petit pull côtelé gris à une 30aine d'euros en coton et en cachemire. Donc 30€ quand t'as du cachemire dedans, c'est très rare. Hyper léger, hyper facile à porter, très agréable. Enfin bref, j'adore. Ensuite, avant-dernier article vestimentaire, ce pantalon que vous avez certainement vu dans mon lookbook, donc c'est un pantalon en lin bleu que j'ai acheté chez Mango. J'adore cette matière pour l'été, je trouve que c'est une matière hyper estivale, le lin. Même pour les chemises, des petites chemises en lin blanche, je trouve ça hyper joli. C'est très agréable, c'est très léger, ça tient pas chaud, je trouve ça classe, donc j'ai adoré ce pantalon qui était hyper agréable. Le dernier article vêtement, c'est ce short. Donc c'est le short Levi's parfait, basique. Donc c'est ma cousine qui me l'a prêté. D'ailleurs, si vous avez des adresses où trouver des shorts comme ça, Levi's, dites-moi. Parce que moi, j'ai beau chercher, j'ai fait toutes les friperies du Marais en Paris. Tout un. Alors elles en ont plein des shorts Levi's. Mais soit c'est le bleu, il est trop foncé. Soit le bleu, il est trop clair. Soit la coupe, elle est trop taille basse. Soit la coupe, elle est trop taille haute. Soit elle est trop grande, soit elle est trop petite. Je n'en ai trouvé aucun comme ça. Moi, j'en veux juste des comme ça. Donc, si vous avez, ou même trouver des jeans Levi's de comme ça, que je puisse couper. Après, ça ne me dérange pas. Lui, il a été coupé, ça se voit. Voilà, je l'adore. Si je pouvais le mettre tous les jours, je le mettrais tous les jours, clairement. Voilà. Ensuite, le livre, le fameux. C'est un livre que mon père a acheté en double sur vente privée. Donc, il m'en a donné un. D'ailleurs, si vous cherchez des beaux livres sur vente privée, il y en a plein. Mais quand je dis livre, c'est pas un livre que je lis. Hein. C'est la photographie publicitaire 50 ans de création. Donc c'est 50 ans de photos de pub. Et le livre est tout simplement trop beau. Donc déjà, il est lourd. Alors, il valait, pour vous dire l'affaire, hein, il vaut 60€. C'est La Martinière, l'édition. Et mon père l'a acheté 10€. Donc vraiment, faites des tours sur vente privée. Et il y a Yves Saint Laurent, il y a toutes les grandes marques.
Citroën. Et vraiment, il est tellement beau ce livre. Ça fait un peu photo argentique et tout. Trop vite. En ce moment, j'aime beaucoup de regarder les vidéos de maquillage. Mais pas vidéos de maquillage très longues, des maquillages compliqués avec des smoky, des dégradés et tout. Ça, de toute façon, ça me sert pas trop. Mais des vidéos de maquillage de tous les jours. Et j'adore regarder les vidéos Beauty Secrets de Vogue. Donc c'est en anglais. Il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre. De toute façon, on les voit faire. C'est des vidéos très courtes, elles dépassent jamais les plus de 5 minutes. Et on voit Bella Hadid se maquiller de manière très simple. Et moi j'adore, enfin vraiment, je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos. T'as envie de toutes les faire, dommage elle n'a pas énormément. Et enfin, j'ai découvert les musiques de The Get Down. Donc The Get Down c'est une série sur le rap dans les années 90 je crois. Je sais pas si c'est le rap. C'est pas le rap. Enfin bref, le R&B, je pense, un truc comme ça. Que je n'ai pas regardé parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus comme série. Mon père a vu la série et m'a dit que les musiques étaient bonnes. Donc je suis allée voir sur YouTube et les musiques sont très bonnes. Donc si vous cherchez du bon son, je vous conseille The Get Down. Musique pour le clip Poison Girl, vous savez, avec Camille Rowe de Dior. Et c'est la musique, je crois que le nom de la musique c'est No Rebels. Je vous la mettrai. C'est la musique de mon teaser sur Instagram. J'ai mis une vidéo pour donner un avant-goût de mon lookbook et c'est cette musique là. Je vais vous la mettre, elle est super bien. J'adore le rythme. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'adore faire les vidéos favoris parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir. Je fais tout ce que vous me demandez. La haul je vais pas trop le faire parce que bon je vais rien vous montrer vu tout ce que j'ai montré déjà. Mais n'hésitez pas quand même à me dire quelle vidéo vous plairait, je les ferai avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous, passez de bonnes fins de vacances et...